Salut tout le monde, on se retrouve pour cette seconde partie de notre sujet sur Sultan Galief, le véritable islamo-gauchiste, pas la chimère qui fait peur à Jean-Michel Blanquer, bien entendu. Dans la première partie, on a posé le contexte et on a vu ce qui était arrivé à notre brave sultan jusqu'à la révolution de février, en gros, hein, février 1917. On va maintenant voir ce qu'il se passe pour lui à partir de la révolution d'octobre 1917, celle qui a amené les bolcheviks à prendre véritablement le pouvoir en Russie. Bien entendu, si vous n'avez pas vu cette première partie, bah arrêtez tout de suite de regarder et allez la voir, parce que sinon vous allez rien comprendre. C'est ridicule de voir le 2 sans le 1. Soyons sérieux. Bon. Ok? Allez, pas le temps de niaiser, je suis 32 niais pour Religare et aujourd'hui, on retourne du côté de la Russie soviétique. La révolution d'octobre 1917, durant laquelle les bolcheviks renversent le gouvernement provisoire, dirigé par les menchéviks, n'a pas lieu qu'à Moscou, mais dans de nombreux territoires de l'Empire russe. Et donc également à Kazan, où elle est à la fois rapide et sanglante. À peu de choses près, elle n'oppose que des Russes bolcheviques d'un côté contre soutien au gouvernement provisoire de l'autre. Le comité socialiste tatar, dont on a parlé dans la première vidéo, ne prend presque pas part au combat malgré son alliance nouvelle avec les bolcheviks. Sultan Galiev se désole d'ailleurs plus tard du peu de mouvement du peuple tatar au moment de cette révolution d'octobre. Il écrira à ce sujet, je le cite, en faisant le bilan de la révolution d'octobre et de la participation des Tatars à cette dernière, nous devons avouer que les masses ouvrières et les couches déshéritées tatars n'y ont pris aucune part. On peut s'étonner de voir ce peu de participation des forces musulmanes, y compris socialistes, alors qu'elles venaient de s'allier avec les bolcheviks. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la révolution d'octobre a tout simplement pris de court les forces progressistes musulmanes qui ne la voyaient pas arriver de si vite en fait et qui ne sont tout simplement pas préparées à un tel bouleversement politique, mais aussi et surtout qui ne sont pas prêtes militairement. Bon, quoi qu'il en soit, la révolution a eu lieu et Sultan Galiev décide donc de jouer à fond la carte du nouveau pouvoir. Il adhère officiellement avec ses proches au parti communiste russe. Ils sont parmi les premiers musulmans à passer le pas. Ce choix, il ne va pas du tout de soi et il est vu comme une trahison par une bonne partie des autres indépendantistes tatars. Une petite blague hein, d'ailleurs circule à Kazan en 1917 pour illustrer ça. Qu'est-ce qu'un bolchevik tatar? C'est quelqu'un qui a perdu sa tête à la guerre et à qui on a mis une tête de russe à la place. Oui, bon, je sais, on a connu des blagues plus drôles, hein, mais dans le contexte, je suppose que ça devait les faire rire, quoi. En 1918, comme pour s'excuser auprès de ses compatriotes d'avoir adhéré au Parti communiste, Sultan Galiev écrit dans un journal tatar « Je suis venu au bolchevisme, poussé par l'amour de mon peuple qui pèse si lourdement sur mon cœur. » C'est beau, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, du côté des bolcheviks, on a pris conscience que si on a bien pris le pouvoir sur les territoires musulmans, et notamment à Kazan, on est loin d'avoir obtenu l'assentiment de la population pour autant, et on a vraiment besoin de consolider son emprise. C'est pourquoi les Russes sont prêts à dealer avec les organisations indépendantistes tatars, considérées comme petites bourgeoises, afin de se les mettre dans la poche, quoi. Ce choix d'alliance contre nature, il sera d'autant plus vrai après le début de la guerre civile, quand Lénine aura un gros besoin de troupes et cherchera à recruter des musulmans dans l'armée rouge. Bref. Les bolcheviks, dans cette optique, décident de s'appuyer sur quelques personnalités clés parmi les tatars, et c'est de cette façon que Sultan Galiev se fait véritablement remarquer et prend du galon. Celui qui le remarque, pour être exact, c'est un mec pas très connu. Non, je suis sûr que vous voyez vraiment pas qui c'est. Un certain Joseph Staline. Joseph Staline qui occupe à l'époque le poste de commissaire aux nationalités au sein du comité des conseils du peuple, soit en gros le gouvernement du nouveau pouvoir bolchevique. Staline donc nomme Sultan Galiev à la direction de la section musulmane,
du commissariat aux nationalités. Dans ce cadre, il est chargé de visiter toutes les régions musulmanes russes. Il part donc pour un périple qui l'emmène en Sibérie occidentale, en Crimée, au Caucase du Nord, au Turkestan ou encore à Bakou. Ces visites ont pour effet de renforcer les convictions nationalistes de notre cher Sultan Galiev, car partout où il va, il constate la même chose. Le prolétariat russe se comporte vis-à-vis des minorités musulmanes exactement de la même façon que la bourgeoisie ou l'ancienne aristocratie russe. Sultan Galiev, pour autant, ne va pas rompre avec les bolcheviks. Il va plutôt faire le choix de tenter de faire avancer sa ligne politique en interne, tout en continuant de travailler avec Staline. Et cette collaboration va plutôt lui réussir dans un premier temps, puisqu'il va prendre du galon et devenir un des plus proches collaborateurs du futur père des peuples. En fait, jusqu'en 1922, un observateur extérieur n'aurait probablement pu voir aucun signe de discorde entre Staline et Sultan Galiev. Les deux hommes semblent bien s'entendre. Ils sont, par exemple, tous les deux d'accord sur le fait que la révolution ne peut pénétrer trop radicalement et trop rapidement dans les sociétés traditionnelles des peuples musulmans de Russie. Dans un premier temps, d'ailleurs, la politique anti-religieuse ne frappe pas les territoires musulmans avec la même rigueur qu'ailleurs en Russie. Localement, la charia et des institutions islamiques sont même brièvement rétablies, les communistes n'ayant pragmatiquement pas les moyens d'imposer leurs propres institutions dans ces endroits. Côté carrière, Sultan Galiev sera entre autres nommé à la présidence du Collège militaire musulman central en 1918, poste stratégique pour celui qui rêve de développer une armée communiste exclusivement musulmane. Pendant la guerre civile contre les Russes blancs, il va sur divers fronts en tant qu'officier supérieur, sans qu'on soit sûr qu'il ait lui-même pris part au combat ou non. Notre brave sultan enseigne par la suite à l'université communiste des travailleurs de l'Orient à Moscou, où il est assez remarqué et où de nombreux intellectuels assistent à ses cours. Mais cette collaboration avec Staline n'est pas un long fleuve tranquille. En fait, les visions politiques de Sultan Galiev et de ses soutiens sont vraiment très différentes de celles des bolcheviks en règle générale, et de Staline en particulier. D'un côté, Sultan Galiev tente tout ce qu'il peut pour obtenir une forme d'indépendance des territoires, et dans une certaine mesure, il obtient des signes encourageants. Avec ses proches, il parvient à organiser et développer des institutions et un fonctionnement communiste spécifique aux musulmans. Il crée par exemple un parti communiste tatar. Le 23 mars 1918, il obtient la création de la République Tataro-Bashkir de la Fédération Socialiste Soviétique Russe. Et c'est pas un petit morceau, autant vous le dire, parce que le territoire, il est immense. Il comprend l'Oural méridional et la moyenne Volga, avec environ 5 à 6 millions d'habitants quand même. À côté de ça, Sultan Galiev tisse des contacts à l'international, avec des communistes turcs, égyptiens, iraniens, indiens. Son influence grandit. Mais les soviétiques lui mettent rapidement la bride autour du cou, et toutes les avancées que je viens de vous citer sont en fait vite reprises en main. Par exemple, le parti communiste tatar, il est dissous, tout simplement, puisqu'en mars 1919, le congrès du PCR se prononce sur la dissolution de toutes les organisations communistes nationales et pour un fonctionnement vertical et centralisé. À partir de là, toute référence à l'islam est interdite dans des organisations communistes. Autre point important, la fameuse République Tataro-Bashkir n'existe finalement pas bien longtemps, puisqu'elle est littéralement démantelée. Le choix qui est fait par les soviétiques est de ne pas tracer de frontières correspondantes à des revendications pan-turques ou pan-islamiques, mais de coller à un découpage ethnique. On se retrouve donc avec plein de petites républiques soviétiques, en fait, à dominante musulmane, et ça facilite vraiment pas la cause d'une grande union nationale souhaitée par Sultan Galiev et les siens. On a donc une division entre Bashkirie et Tatarstan dès 1923, puis plein d'autres qui vont suivre dans les différents territoires musulmans dans les années qui viennent. Tchouvatchie, Daghestan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizie, Turkménie, Tadjikistan, et comme on dirait à Rome, etc. Les bolcheviks appliquent en tout cas parfaitement bien le vieux dicton « diviser pour mieux régner ».
De plus, chacune de ces républiques soviétiques se voit très limitée dans son autonomie et toutes les décisions importantes sont prises à Moscou. Enfin, pour ce qui est des structures et des institutions musulmanes locales que Sultan Galiev et les siens ont commencé à mettre en place avec un certain succès, hein, d'ailleurs, eh bien, elles ne résistent tout simplement pas à la guerre civile. Une fois les armées blanches défaites, il ne reste plus grand-chose de ces institutions et encore moins des armées rouges musulmanes qui ont été largement détruites au combat. Sultan Galiev n'abandonne pas pour autant sa cause, malgré les déconvenues. Durant ses cours à l'université, il continue d'expliquer à quel point pour lui, il est évident que la révolution doit impérativement passer par l'Orient pour triompher, et à quel point il considère que la lutte anticoloniale est à l'avant-garde de la lutte des classes. Du côté bolchevique, c'est vraiment difficilement entendable. Ces revendications nationalistes sont considérées comme petites bourgeoises et la priorité est mise sur le prolétariat russe et européen qui est censé apporter la révolution aux peuples du monde entier. Ces deux positions trouvent à s'affronter à un moment charnière qui est le premier congrès des peuples d'Orient à Bakou en septembre 1920 auquel Sultan Galiev n'assiste pas en personne mais où ses idées sont représentées en force par nombre de ses soutiens. À ce congrès, des révolutionnaires de nombreux pays musulmans sous domination coloniale sont là, ainsi que des représentants des bolcheviks russes. Pour beaucoup d'entre eux, c'est l'occasion de marquer le départ de la grande lutte libératrice des peuples d'Orient opprimés contre l'Occident. Côté russe, on cherche à s'appuyer temporairement sur des luttes anticoloniales pour affaiblir les puissances européennes et donc faciliter le travail des révolutionnaires de ces pays. Pavlovitch, un des représentants soviétiques, résume bien la position russe. Le salut de l'Orient est uniquement dans la victoire du prolétariat occidental. Malgré les espoirs mis dans ce congrès par les communistes des pays sous domination coloniale, et puis malgré quelques déclarations spectaculaires, hein, comme des appels au djihad international contre l'impérialisme occidental, eh bien ça en reste là, car toutes les revendications autonomistes sont refusées en bloc par la délégation soviétique. Forcément, ces divergences politiques dans la Russie soviétique, surtout avec un Staline qui prend de plus en plus de pouvoir, elles peuvent pas durer éternellement. Sultan Galiev tombe finalement en disgrâce. Il est arrêté et jugé en 1923. Les services secrets l'accusent de créer une organisation anti-soviétique. L'acte d'arrestation est signé par Staline et contresigné par Trotsky, Kamenev et Zimonev. Principale pièce au dossier de son accusation, une lettre codée de Sultan Galiev qui a été interceptée. Elle est à destination du communiste iranien Taj Bakshi. Dans cette lettre, Sultan l'encourage à se mettre en contact avec des révolutionnaires afghans, indiens, arabes et turcs pour créer une internationale coloniale. Alors c'est le terme qu'ils employaient à l'époque. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'internationale décoloniale. Peu importe le nom, en tout cas, c'est bien une internationale distincte de celle des soviétiques, et ça, c'est une ligne rouge. Malgré cette arrestation, Sultan jouit encore d'une grande popularité, notamment auprès de l'organisation de jeunesse du parti communiste russe, le Komensol. Un exemple pour illustrer cette popularité, c'est que, alors même que Sultan Galiev croupit en prison, en même temps, le Komensol vote le statut de membre d'honneur de son organisation pour Sultan Galiev et Lénine, et décrète que Sultan est le plus grand révolutionnaire d'Orient, rien que ça. Il est probable d'ailleurs que cette popularité est jouée dans le fait que Sultan Galiev soit finalement relâché. Mais alors pas sans condition. Il doit présenter des aveux de culpabilité publique et faire acte de contrition. Il est exclu du parti communiste russe et interdit d'activité politique. C'est pas ça qui va le freiner pour autant, notre brave Sultan. Pendant plusieurs années, il va continuer une activité clandestine d'organisation et de production intellectuelle de ce qu'on appellera véritablement le Sultan Galievisme. Résumons un peu sa pensée. Sultan Galiev, il y a une absence de classe ouvrière dans les pays sous domination coloniale qui rend impossible le schéma classique du marxisme.
Il en déduit donc qu'il convient de s'appuyer sur les revendications nationales des peuples dominés et faire alliance avec la petite bourgeoisie, dans un premier temps pour faire triompher la révolution. De la même façon, Sultan Galiev considère qu'une politique anti-religieuse est contre-productive en terre d'islam, car selon lui, l'islam étant la dernière des grandes religions monothéistes, elle ne souffre pas du conservatisme des précédentes et a une capacité de dynamisme et d'entraînement des masses tout à fait intéressante. Il considère que l'islam ayant presque partout dans le monde le statut de religion dominée par le système colonial, cela le prédispose à être une force de libération des peuples et de militantisme pour la justice. Le sultan galiévisme repose sur le désir de construire un socialisme adapté aux particularismes des pays musulmans, libérés de l'impérialisme et de la bourgeoisie européenne par la force des travailleurs musulmans et avec la volonté de répandre ce modèle à toutes les terres d'islam. Pour autant, il ne veut pas créer spécifiquement un communisme musulman, mais plutôt s'adapter aux particularismes de la religion musulmane pour aller vers le socialisme. Et surtout, surtout, le sultan galiévisme considère qu'il n'y a pas de libération des peuples d'Orient au sein de l'URSS, qui est vue comme une continuation peut-être plus violente encore du colonialisme impérialiste des pays capitalistes. Revenons au militantisme clandestin de Sultan Galiev maintenant, après sa première condamnation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette activité ne lui réussit pas. Pas du tout même, hein, parce que Sultan est à nouveau arrêté en 1929 et condamné cette fois-ci à 10 ans de travaux forcés. La suite est un peu confuse. Il semble avoir été libéré brièvement avec l'interdiction d'exercer le métier de journaliste ou de résider dans une capitale russe comme Moscou ou comme Kazan. Une chose est sûre toutefois, il a été fusillé en 1940 à Moscou avec des membres de sa famille et de nombreux soutiens de son idéologie. Au revoir Sultan Galiev, petit ange parti trop tôt. Bon, malgré les déboires de Sultan Galiev, le sultan galiévisme va avoir une très grande influence dans les républiques soviétiques à dominante musulmane jusqu'en 1936 au moins. Mais après, les purges staliniennes vont passer par là quand même, ça va devenir un petit peu plus compliqué. On sait que des figures de la lutte anticoloniale, comme le vietnamien Ho Chi Minh ou encore l'indonésien Tan Makala, ont assisté aux cours de Sultan Galiev à l'université de Moscou et ont, semble-t-il, été assez inspirés par ses cours. De la même façon, l'Indien Manabendra Nath Roy a enseigné en même temps que Sultan dans cette même université et ils se sont assez probablement mutuellement influencés. Beaucoup voient dans le sultan galiévisme une forme de précurseur du maoïsme. C'est d'ailleurs vrai hein, qu'un des plus hauts cadres du parti communiste chinois, Liu Shaoqi, a fait également partie des étudiants de Sultan Galiev. Pour autant, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, de référence explicite à la pensée de Galiev dans l'œuvre ou dans les discours de Mao. A l'inverse, le président algérien Ahmed Ben Bella faisait lui référence assez régulièrement à Sultan Galiev. Il était intéressé par l'idée d'international colonial, ou plutôt décolonial, comme on dirait aujourd'hui. J'ai lu que Kadhafi s'en serait inspiré également, mais alors là, c'est une info à prendre avec des pincettes. Passé en tout cas ce moment de la décolonisation, Sultan Galiev est tombé relativement dans l'oubli. Condamné à la fois par l'orthodoxie marxiste d'une part, par les capitalistes d'autre part, et par les islamistes enfin. Son héritage politique n'a donc pas vraiment perduré, à part dans quelques très rares petits groupes politiques. Bon, et là, vous allez me demander pourquoi je suis pas habillé pareil, pourquoi c'est pas la même caméra, et pourquoi c'est pas le même cadre, hein, tout simplement. Et à ça, je répondrai que peut-être j'ai accidentellement supprimé le fichier de fin de la vidéo. Peut-être que je suis un gros boulet et que je m'en suis rendu compte vers la fin du montage seulement. Bon, de toute façon, il me restait plus grand-chose à dire. Hein. Il fallait juste que je vous rappelle les commodités d'usage, comme on dit. Si vous pouvez me soutenir en likant la chaîne, en,
en likant la vidéo, en partageant, en commentant, tout ça, c'est vraiment très apprécié. Et puis, vous pouvez également faire un don sur Utip, si ça vous dit. Voilà, merci aux premières personnes qui ont déjà fait ce don sur Utip, c'est vachement important pour moi. Ça va beaucoup m'aider, donc le lien, il est sous la vidéo. Et surtout, je voulais vous dire un truc avant de se quitter, c'est que la prochaine vidéo que je vais faire pour fêter le fait qu'on a dépassé les 1000 abonnés, là on est vers 1200 maintenant, ce sera une vidéo FAQ, donc voilà, une petite foire aux questions. Si vous avez la moindre question à me poser sur la chaîne, sur mon parcours, sur voilà, ce que j'ai envie de développer, n'hésitez pas, je la reprendrai, vous pouvez la mettre en commentaire sous la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler de Sultan Galief, de vous faire découvrir ce personnage à travers ce cycle de deux vidéos, ce diptyque, comme on dit. J'espère que ça vous a intéressé et que voilà, vous continuerez de suivre la chaîne. Désolé pour ce petit raté technique de fin d'émission. Salut!